Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, me voilà parti pour une petite aventure dans les Hautes-Alpes. Je vais retrouver quelques compagnons, voilà, du bushcraft alpin. Il y aura Jess, indomptable dauphinois, Bou Bushcraft. On est parti pour un petit bivouac hivernal, ça devrait être assez sympa. Donc là, je vais aller rejoindre les copains et puis on va marcher un peu. Ils doivent nous emmener vers un spot qu'ils ont repéré il n'y a pas longtemps et qui avait l'air très très sympa là sur la vidéo. Donc ça va être une première, ce spot. Il fait un temps magnifique. Voilà, ça s'annonce pas mal. Allez, c'est parti! Et voilà le spot où nous ont emmené toute l'équipe, l'équipe bien connue que voici, les amis du Bushcraft Alpin. Salut les gars! Bienvenue à la maison! Donc un petit spot magnifique, on voit là, au pied des rochers. Il y a un peu de neige, ça va être super sympa. Et puis là-bas, eh ben, notre indomptable dauphinois préféré. Et puis retrouvaille avec Boubou, que j'avais déjà croisé il y a quelques temps. Donc voilà, une belle équipe, je pense que ça va encore être une soirée assez sympa. Bon, comme vous le savez, on est un bon groupe de gourmands. Et voilà, le nouveau petit jouet de l'ami Jessie. Une cafetière, une vraie cafetière, un petit percolateur qui va sur, bah, sur les feux de bois. Donc voilà, histoire d'améliorer un peu notre confort, surtout en bivouac hivernal, je pense que ça va être terrible d'avoir droit à un vrai café là. Un vrai café gringo. Carrément. Ça va être génial. C'est nos champions qui partent au petit ruisseau remplir, faire un petit peu le plein d'eau. C'est parti. J'ai la main ouverte comme ça. Ah, toi que tu mets les mains dans l'eau en hiver. Alors voilà, Jessie nous a fait un petit une technique. Ouais, bah en fait, on a de l'eau courante, donc dans les graviers, j'ai juste creusé un trou pour qu'on puisse y plonger nos gamelles et les remplir. Par contre, du coup, quand on creuse, bien sûr, et on lève tous les sédiments, les micro-sédiments, et du coup, après, il faut laisser l'eau couler et se reposer pour que ça tombe, pour qu'on puisse venir remplir nos différentes gamelles, quoi. C'est juste une question d'attente, et en attendant, on va aller voir notre petit lac du dernier bivouac. Ah, c'est le grand luxe là. Bivouac de luxe. Oh, ça c'est du service. Ah, ça c'est la classe. Oh, ça va être terrible. Oh, comme ils sont bons. C'est bien chaud. Waouh, trop classe. Ah, tiens du. Thank you.
Allez. Bivouac et bushcraft, en pleine nature c'est merveilleux. On aime faire des abris, couper du C'est Jules et Jess qui viennent réveiller Boubou en chanson. Ils ont préparé le café, ils ont trop assuré. Et bien c'était encore un super bivouac, un super moment d'échange, de partage, de franche rigolade. Moi c'est ce que j'aime en fait quand... Quand je mets un peu de vidéos, c'est vraiment pour partager et puis avec l'idée de rencontrer des gens. Donc là, ben voilà, des gars que je connaissais pour la plupart, mais ça fait plaisir de se revoir. Je salue au passage d'autres gars que j'ai rencontrés récemment. C'est toute l'équipe du Vallon du Dauphiné, là. On s'est fait une petite sortie vite fait il y a quelques jours, et puis là, on est en train de caler un bivouac qui devrait se faire dans quelques semaines. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est le bonheur de croiser des gens, de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps et de vivre des moments comme celui que je viens de vivre ici et qui était juste... incroyable quoi, du pur bonheur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis ben, je vous dis au revoir et à très bientôt.